L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC FC, désormais en partenariat avec la fondation Amos Langenfin Football Club FAL FC, un club féminin de deuxième division. Un partenariat résultat de la volonté du gouvernement béninois de promouvoir le football féminin. C'est une exigence déjà au niveau de la fédération. Et je crois que c'est très bienvenu parce qu'il faut de toutes les façons promouvoir le football féminin. Il y a beaucoup de talent dans le cadre féminin du football béninois et il faut le faire valoir. FAL est une équipe de deuxième division. Le partenariat a été signé. Nous l'avons signé l'année dernière. Et aujourd'hui, ça nous a permis de sceller un premier contact à travers cette rencontre, à travers ces échanges. Et donc d'asseoir une approche concrète sur terrain. C'est très bon augure. De façon à ce que, avec les opportunités qui vont se présenter, où on va faire des échanges et des entraînements en commun, selon les calendriers, bien sûr, ça nous permettra de mieux se connaître, s'approcher et développer un partenariat riche pour tout à chacun. Un partenariat riche pour les deux clubs qui entendent fédérer leurs efforts afin de se hisser au rang des grands clubs du Bénin. Je pense que c'est un partenariat qui arrange beaucoup plus notre fondation. À travers déjà l'expérience de l'ASPAC. L'ASPAC n'est pas un petit club, c'est un grand club d'élite. Et du coup, signer un partenariat du genre avec ASPAC permettra à notre club d'acquérir de l'expérience aux côtés de l'ASPAC. Et donc, ça serait un partenariat à coup sûr fructueux, puisqu'on voit déjà, dès ce commencement, nous voyons déjà tout ce qu'il y a comme motivation autour l'approbation de notre contrat ou de la convention de partenariat par le directeur général du port autonome de Cotonou lui-même, le directeur sportif qui est à nos côtés, le président Wahab, le président Gandaro, tous ceux-là soutiennent ce petit club que nous constituons afin que nous puissions aussi grandir. Grandir, oui. Mais il faudra un cadre sain répondant aux normes pour une bonne pratique du jeu. Pour le coach du FAL FC, le stade Omnisport de Tofon remplit bien ses critères. D'abord, le football, quand tu as de bons terrains, tu as la matériel qui est là, ça donne plus de courage. Quand tu vois aujourd'hui les filles sur le terrain dans cette nouvelle encadrement qui est d'abord propre, il faut le reconnaître que c'est propre, que c'est une maison qui est bien entretenue par ASPAC, si je me permets de le dire. Parce qu'on a vu les autres stades qui ne sont pas aussi propres comme ça. Ils ont pris le plaisir, la joie de bien jouer, de s'entraîner. Vous êtes au dehors, vous avez vu aussi qu'elles étaient toutes contentes et heureuses de jouer cet après-midi sur cet encadrement. Je profite de ça pour dire merci à notre président Amos Langenfin, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir nous faire plaisir, nous. C'est un grand homme, il faut le dire. Maintenant, partenariat avec ASPAC. ASPAC, c'est toute une grande maison. On souhaite vraiment que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous donne longue vie pour que cette partenariat puisse aller loin. Tu sais, sans Dieu, on ne peut rien. Mais je sais qu'on a en face de nous des grands hommes qui tiennent toujours leurs promesses. Des grands hommes révélés par la grandeur des infrastructures. Regard perdu face à la grandeur du cadre de travail, la capitaine de FAL FC, face à notre caméra, peut se permettre de continuer à contempler le stade. Déjà, avec le cadre et l'encadrement, comment les coachs, premièrement, avant, avec notre, quand on était seul, ou bien avant la signature du contrat, bon. On n'avait pas de caméra, on n'avait pas trop de matériel comme ça, mais maintenant, tout est en ordre. Et puis, c'est une grande joie pour nous. Et dans l'avenir, on souhaite vivement que ce partenariat nous aide beaucoup, en beaucoup de choses. Et par exemple, nous amener des maillots, et puis, comme je l'ai parlé. Oui, pour nos déplacements, pour les matchs, on a aussi besoin du déplacement, comme le bus, et les matériels pour le travail, et aussi, si possible, nous ajouter aussi des coachs. À travers ce partenariat, ASPAC FC et FAL FC comptent se révéler davantage au public sportif béninois.